Salut à tous, c'est Vosketal de Boom Beach France. On se retrouve pour cette mission QG de Hammerman au niveau 30. La dernière fois, on a fait niveau 25, nous voici au niveau 30. Alors, un niveau qui fait peur, mais il y a une bonne petite tactique qui va être de passer par la gauche, par au-dessus, pour revenir en boucle sur le QG, donc de Hammerman par derrière. Donc, comme ça, on va éviter toutes ces défenses à droite. Il y en a quand même un gros paquet. Donc, on va commencer par pilonner. Vous avez vu que j'attaque qu'avec des guerriers hein, parce que c'est les plus rapides et les plus puissants. Donc on va commencer par pilonner avec un barrage, deux barrages même, cette petite zone de défense au milieu avec deux tours de sniper, un méga canon, deux mitraillettes et un canon. Donc on va pilonner le plus possible et on va détruire surtout en priorité le méga canon qui est derrière et puis donc une petite tour de sniper. Comme ça nous évitera d'être dans le champ de tir de ces bâtiments défensifs. À partir de ce moment-là, on lance les guerriers sur la gauche et on va leur faire faire, à l'aide de fusées éclairantes, le tour. Donc j'attaque directement les lance-flammes qui sont en haut. Donc des lance-flammes, ça fait pas beaucoup de mal aux guerriers, ça y a pas de souci, d'autant qu'ils regagnent de la vie au fur et à mesure qu'ils tapent. Donc je détruis un lance-flamme, deux lance-flammes, une autre fusée éclairante pour bien les amener vers le haut et ils vont donc détruire tous ces petits bâtiments en haut qui sont complètement inoffensifs. Et donc je vais gagner plein de points d'attaque et je vais pouvoir utiliser à la fin eh bien mes tirs de canonnière. Donc voilà, je fais le tour par le haut. Donc vous voyez, je suis hors de portée des bâtiments sur la gauche. Par contre, alors l'assommé a tiré sur moi un Lost Rocket. C'est pour ça que j'ai utilisé une bombe freeze. J'ai oublié le nom. Une électrobombe pour pouvoir électriser les quelques bâtiments défensifs. Et à partir de ce moment-là, j'ai pu faire le tour et attaquer par derrière. Donc, toujours bien vous servir de vos fusées éclairantes qui vont vous permettre de vous guider, faire cette espèce d'arc de gauche à droite, revenir par derrière, quelques électrobombes sur les bâtiments qui vous embêtent, et éventuellement bah voilà, des tirs de barrage et des tirs d'artillerie pour détruire quelques petits bâtiments défensifs qui pourraient vous tirer dessus. Voilà, donc on gagne en plus un gros paquet d'argent et de ressources. Donc voilà, cette mission QG d'Hammerman, qui est pas si difficile, hein, une fois qu'on connaît la technique, faire le tour par le haut, et puis pilonner, et surtout amener vos guerriers. Allez, à plus sur boombeachfrance.com.